La princesse de Galles portait les mêmes boucles d'oreilles que la défunte mère de son mari 31 ans auparavant lors du même événement. Kate Middleton a rendu un subtil hommage à la princesse Diana au National Service of Remembrance à Londres dimanche. La princesse de Galles s'est avancée sur un balcon surplombant le mémorial de guerre du cénotaphe portant une paire de boucles d'oreilles de Diana. Elle portait les boucles d'oreilles en perles des mers du Sud qui comportent un éventail de diamants qui tombent dans une grosse perle. Lady Di portait souvent les boucles d'oreilles lors d'événements officiels dans les années 1990 bien que, selon Vogue, Kate les ait légèrement modifiées. Selon le magazine, elle a changé les boules pour des pierres précieuses plus petites en forme de poire par rapport aux plus grosses perles circulaires que Diana avait lorsqu'elle portait les boucles d'oreilles. La duchesse portait également un chapeau noir à large bord qui rappelait beaucoup l'apparition de Diana lors du service commémoratif de 1991. Comme Diana il y a 31 ans, Kate s'est levée solennellement et a chanté dans un ensemble noir avec des épingles de coquelicot rouge. L'hommage réconfortant de la princesse de Galles était la deuxième fois au cours du week-end qu'elle faisait un clin d'œil à un membre décédé de l'entreprise par le biais de bijoux. Samedi, la princesse est arrivée au Festival of Remembrance au Royal Albert Hall portant deux pièces ayant appartenu auparavant à la reine Elizabeth II. Les bijoux comprenaient des boucles d'oreilles en perles de Bahreïn et un collier ras du cou en perles avec un diamant au centre. Sa défunte majesté portait le collier ras du cou lors d'un banquet d'État au Bangladesh en 1983. Les pendants d'oreilles en perles de Bahreïn, quant à eux, ont été offerts à la princesse Elisabeth lorsqu'elle a épousé le prince Philippe en 1947. Selon Her Majesty Jewel Vaux, les boucles d'oreilles ont été construites à partir d'une coquille contenant 7 perles que le souverain de Bahreïn a données au futur monarque pour le mariage. Les boucles d'oreilles ont un gros diamant rond avec un diamant circulaire plus petit également suspendu en dessous. Il y a aussi 3 diamants baguettes qui y sont suspendus avec 3 petits diamants qui se dirigent vers la perle pendante. En septembre, la duchesse portait les mêmes pièces pour le service des engagements de la reine et les funérailles d'État. Elle a également porté le tour de cou et les boucles d'oreilles pour les funérailles du duc d'E accent aigu d'Imbourg l'année dernière. La duchesse portait les boucles d'oreilles pendantes lors des célébrations du jubilé de platine en juin.